Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC ont démarré ce 27 juillet 2021 sur toute l'étendue du territoire national congolais, en Chine et à Luanda, Cabinda. Au total, 110 054 candidats, dont 56 023 filles, dont 422 centres, affrontent cet examen qui donne l'accès aux différents lycées. C'est dans la ville capitale Brazzaville que le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, a procédé au lancement de ces épreuves écrites, dont 4 centres choisis pour la circonstance. Le ministre a débuté sa ronde au centre du lycée Pierre Savorgnon de Brazza, où il a demandé aux candidats de se mettre sérieusement au travail. Accompagné de toute sa délégation, il s'est rendu au centre du lycée Chaminade, où le même devoir a été accompli. Pour toujours se rassurer du bon déroulement du BEPC session de juillet 2021, Jean-Luc Moutou est allé conscientiser les candidats du centre Léé Gaboka. La dernière étape a été le complexe scolaire évangélique de Wenze, où le ministre a fait le point de sa ronde. Et notre appréciation elle est bonne de façon générale. Et il faut rappeler par rapport à cela que nous avons travaillé conformément aux prescriptions de M. le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui nous a confié cette lourde mais exaltante mission de former l'élite congolaise, de lui donner des compétences et de faire en sorte justement que nous puissions préparer pour ce pays une relève digne et sûre. Et le lancement des épreuves du BEPC de ce matin au travers des épreuves mathématiques nous ont donné la preuve de ce que les choses ont été préparées avec suffisamment de sérieux, suffisamment d'intelligence et de minutie, et qui attestent d'ailleurs du succès de ces épreuves du BEPC de session de juillet 2021. À noter que, pour le premier jour, les candidats ont planché sur les mathématiques et l'histoire-géographie. Ces épreuves prendront fin le 30 juillet 2021.